C'est un roman qui s'appelle L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès, et comme son titre l'indique, il parle de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui a lieu en 2011. Pour revenir un peu sur cette affaire, c'est l'histoire d'un père de famille apparemment bien sous tout rapport, plutôt bien intégré dans sa communauté catholique, qui va tuer toute sa famille, ses quatre enfants, sa femme et ses deux chiens, et les enterrer sous une terrasse, puis nettoyer entièrement sa maison et disparaître totalement sans qu'on ne le retrouve jamais. Et voilà, et en fait, on va découvrir les corps sous la terrasse 15 jours plus tard. Il va y avoir toute une suite d'histoires incroyables qui vont être racontées sur cette disparition, y compris de la faute de Xavier Dupont de Ligonnès, qui fait croire à ses proches qu'il est soit parti en Australie pour aller travailler, soit en fait il a été enlevé par la DEA aux États-Unis dans l'histoire d'un procès dans lequel il serait témoin. Et il se trouve que toute sa famille à lui, à Xavier Dupont de Ligonnès, va croire cette version et être de fervent défenseur du fils, comme quoi il n'aurait ni tué, ni il ne serait disparu, seulement il serait caché quelque part aux États-Unis. Voilà pour l'histoire du fait divers. L'histoire du livre est un peu différente, puisque ce qui m'a intéressé, moi, comme romancier, c'était moins l'affaire elle-même, les meurtres, que les raisons pour lesquelles Xavier Dupont de Ligonnès est passé à l'acte. Et donc, je suis reparti dans sa vie, puisque cette histoire m'a aussi passionné par le fait que, pour la première fois, des centaines, des milliers d'internautes se sont mis en quête d'informations sur Xavier Dupont de Ligonnès. Et ont trouvé des informations avant même la police, avant même les journalistes. Et c'est cette place-là qui m'a intéressé, ce qui fait que je n'ai écrit le roman qu'à partir de mon ordinateur. Je n'ai rencontré personne, je n'ai jamais voulu interroger ni la famille, ni les policiers, ni les journalistes qui étaient intéressés à l'affaire. Je suis resté derrière mon ordinateur à lire les articles, à lire tout ce que ces internautes avaient pu trouver. Et on a trouvé énormément de choses, car toute la famille écrit sur Internet. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que la mère et la fille ont tenu un blog pendant toute la durée de l'enquête qui nous permettait de savoir et l'histoire passée et présente de l'affaire, mais aussi les internautes tenaient des pages Facebook, mais aussi Xavier Dupont de Ligonnès lui-même, en fait, écrivait sur des sites catholiques une partie de sa vie. C'est vraiment incroyable. Et sa femme elle-même avait un pseudo sous Doctissimo dans lequel elle racontait sa vie intime. Bref. Ça, plus énormément d'autres éléments, m'ont permis de remonter de son enfance jusqu'au moment des meurtres et de tisser en fait la vie de cet homme qui m'a permis de comprendre, en tout cas je crois, plus profondément, plus intimement, pourquoi il est passé à l'acte. Et aussi, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu curieux de le dire, mais ce que nous, chacun, finalement, on partage un peu avec cet homme-là, et en se questionnant finalement sur notre propre capacité aussi, parfois, à passer à l'acte de façon définitive. Moi, ce qui m'intéresse déjà dans les deux premiers romans, c'est de travailler justement la matière du réel, parce qu'il me semble toujours que dans la matière du réel se trouve toujours plus de fiction que ce qu'on imagine. Et donc, vraiment, chaque élément qu'il y a dans le livre sont des éléments de réel. Le fait qu'il ait rencontré une protestante, qu'il ait vécu une passion avec elle, le fait que sa famille, qu'il ait vécu avec sa femme des histoires à trois, à quatre, de couples sous toutes ses formes, tout ça sont des moments réels. Ce qu'il y a, c'est que là où le roman commence à prendre sa part, c'est au moment où je rentre dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès et où, effectivement, je m'interroge sur ce que lui a pu ressentir et vivre de ces événements-là. Et puis, évidemment, tout le contexte que je ne connais pas précisément et que j'invente au fur et à mesure. Mais les faits eux-mêmes sont des faits réels. Et donc, c'est comme ça que le personnage, pour moi, devient moins un personnage de roman qu'une forme de version de la vérité. C'est-à-dire qu'il me semble qu'en le chargeant de ses émotions, en lui redonnant une vie, j'allais dire, d'innocent, c'est-à-dire que pour moi, puisque c'est une biographie, tant qu'il n'a pas tué sa famille dans cette histoire, il est toujours innocent. Donc c'était d'aller interroger sa part d'innocence, et c'est comme ça qu'il est devenu ce personnage de roman, puisque pour nous, dans le réel, il n'est qu'un personnage coupable. Donc en fait, c'était en allant rechercher l'innocent dans cet homme que le roman est apparu. L'histoire commence avec ça, en réalité. C'est la grande découverte que moi j'ai pu faire au moment de l'affaire, c'est qu'en réalité, sa mère est une fervente catholique qui, au moment de Vatican II, dans les années 60, Vatican II étant vraiment la révolution catholique par excellence, la dernière grande révolution, où il s'agissait de moderniser l'Église. Donc c'est le Vatican qui a décidé de moderniser l'Église. Seulement,
Il y a eu une scission totale entre deux églises, c'est-à-dire l'ancienne et la moderne, et la mère de Xavier Dupont de Ligonnès a choisi l'ancienne, les traditionalistes, qui sont devenus pour certains des extrémistes. Et elle faisait partie d'un groupe de prières qu'elle a formé autour d'elle parce qu'elle entendait des voix de Jésus, et qui ont été validées par cette église. Hein. Donc en fait, elle réceptionnait les voix de Jésus, des révélations, et elle pensait que l'Apocalypse était en train d'arriver. Et donc elle pensait même que Xavier allait devoir y jouer un rôle. Donc ce petit garçon, puisque ça arrive alors qu'il est enfant, ce petit garçon va vivre avec cette idée qu'il va être le premier ministre de Jésus-Christ revenu sur Terre pour l'Apocalypse. Et jusqu'à ses 20 ans, 25 ans, c'est ça qu'il va croire. Et il va même continuer à croire pendant longtemps encore que ça va arriver. Et dans les années 80, alors qu'il est déjà un adulte, il a une vingtaine d'années, il faut quand même qu'il compose avec ce que sa mère est en train de lui dire de ce qu'il va devenir, et en même temps le réel où cet apocalypse n'arrive pas. Et c'est comme ça que petit à petit, un monde est en train de se détruire, chez lui et à l'intérieur de lui. Et c'est vraiment un homme qui va passer de la fiction maternelle, celle dont vous parliez, cette fiction religieuse, il va passer de cette fiction religieuse à une nouvelle fiction qui sera celle d'une recherche d'argent. Donc il va vouloir avoir de plus en plus d'argent. Et c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui passe d'une fiction à une autre, jusqu'à la dernière grande fiction qu'il va raconter et même dont il va être l'acteur, qui est celle des meurtres de sa famille.